vous allez bien. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je trouvais que ça ferait une introduction différente. hier, j'ai fait un haul d'épicerie. Puis j'avais oublié d'annuler ma commande de Cook It. Fait que j'ai beaucoup de bouffe. Fait que c'est ça, on va cuisiner dans les prochains jours. J'espère qu'on perdra rien, mais tu sais, les légumes, ça, whatever, là, c'est de la viande. Parce que nous autres, quand ça arrive ici, chez nous, je sais pas, vous autres au Québec, ceux qui viennent du Québec ou ceux qui viennent dans, de proche de là, parce que je pense que ça vient du Québec, là. Je sais pas si vous autres c'est congelé, mais comme moi quand ça arrive, c'est comme ultra frais, mettons, mais c'est pas congelé. Fait que je peux pas le recongeler, là, tu sais. En tout cas. Vous comprenez? Fait que là, j'ai eu deux assiettes aussi de repas déjà cookies, là, déjà prêts. Puis celui-là, c'est un riz. Donc, je vais essayer de vous le faire montrer. C'est un riz au tofu avec des légumes. Donc, je ne l'ai pas encore goûté. Le tofu a été fait avec une sauce à la mandarine. J'étais comme, pardon. Je pensais que c'était comme marinara ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment mandarine. Là, comme... En tout cas, ça devrait être bon. Un petit peu sucré. Puis du riz jasmin, puis les légumes, ça a l'air comme des poivrons. Puis... That's it. Donc, c'est ça. Je vais manger ça. Je suis pas une fan de tofu. Moi, là, j'ai comme un petit peu peur de ça, là, l'estrogène. Sorry, je mastique. Ah, il goûte comme le poulet. Ouais, il est correct. Ça goûte pas beaucoup, beaucoup sucré, là. Mais ouais, c'est comme un petit goût correct. Le riz, mais c'est du riz jasmin. J'imagine que ça goûte, que c'est supposé goûter. Puis, petits légumes, je sais pas. Ah, les légumes sont bien épicés. Non, ça va être bon. Des fois, je trouve les assiettes qui sont moins bonnes. La semaine passée, j'en avais une. J'étais comme... En tout cas. Et je bois mon eau, toujours dans une tasse. Et dans ma tasse de mercredi. Je vais manger, puis je vais vous jaser une couple de petites choses. Ça se mange. C'est pas comme... C'est pas relevé le goût, là. C'est... Ça goûte flat un peu, mais c'est correct. Tu sais, ça me fait un bon dîner. Là. Il est 2h, presque, 2h moins 10. C'est la grosse storm ce matin, on est jeudi. Ça a comme tourné en pluie, mais on a eu beaucoup de neige. Les arbres sont super beaux. Attends, je vais vous faire montrer ici que je peux. Là. What? J'adore quand les arbres sont comme ça. Je suis comme, c'est beau. Là! C'était pas pire, mais j'ai comme mangé genre la moitié du tofu, là, il y en avait bien trop. Ouf, je suis pleine. Pleine, mais toujours de la place pour un biscuit. Wouhou! Le meilleur moment du repas est quand tu peux manger un biscuit. Ouais, je vais vous parler de quelque chose. Donc, petit truc, tout le monde a donné plein de trucs. Il y en avait un, je trouvais super intéressant. Genre, quand t'es d'une salle, regarde, avant de t'en aller dans l'autre salle, regarde qu'est-ce qui peut aller dans cette salle-là. Genre, exemple, t'es dans ta chambre, tu t'en vas dans la cuisine, tu vois un verre d'eau, ben amène-les. Tu sais? Ça, je trouvais que c'était vraiment nice. Puis, j'ai sauté vite, mais en tout cas. Une autre chose, c'est que j'avais cette petite chose à la maison que j'ai achetée au Dolo. Puis c'est parfait pour faire des petits blitz. Non, je n'ai pas acheté ça au Dolo, regardez. 4,99. Je pensais que j'avais ramassé ça au Dolo longtemps passé, mais ça a l'air les étiquettes ça, du art. Fait que c'est ça, il y en a au Dolo à moins cher que ça. Mais c'est ça, je mets 15 minutes. J'ai mis ça hier parce que hier, on était rendu mercredi, c'était déjà en messe.
Fait qu'on a fait un blitz de ménage de 15 minutes, genre, comme c'était vraiment efficace. André a fait la vaisselle, ben là, il y a de la vaisselle de nouveau parce qu'on n'avait même pas eu le temps justement d'aller dans les chambres chercher les affaires. On a comme oublié les chambres là, quand on faisait ça. Mais il a fait la vaisselle, il a ramassé la cuisine. Moi, j'ai tout ramassé l'entrée, j'ai passé la balayeuse. Comme genre, j'ai pas passé la balayeuse à la grandeur de la maison. J'ai passé la grandeur au. La grandeur. J'ai passé la balayeuse aux deux places où est-ce qu'il y a le pire. Donc, les graines dans la cuisine et l'entrée qui deviennent toujours plein de sable, plein de terre, plein de cochonneries, plein de petits papiers d'Amazon, des affaires de même. On a tout remonté ça, tout est clean. So, j'étais bien contente. Hey, pour 15 minutes, là. T'attends d'en faire parce que dans le fond, on est deux. So 15 plus 15, ça fait 30. So, c'est comme si je ferais une demi-heure de ménage. Genre, ça fait une demi-heure de ménage dans la maison. C'est obligé d'avancer. Là, t'sais. En tout cas, pis ça n'entendait pas en tout. Là. Je m'endormais. J'étais comme. Je suis comme, on le fait pareil. Puis là, j'ai starté ça. J'étais déjà dans le regret. J'étais comme. Je vais prendre cette tasse-là. Je vais l'amener dans le sink. Là, je l'ai amené là. Là, j'étais comme, je vais amener ça là. J'ai amené les affaires aux bonnes places, genre. Puis là, tout d'un coup, j'étais comme, right, prime. Puis j'étais comme, ah ouais, let's go. Ça faisait juste pour dire, là, c'est comme, un coup de starter. Hein. C'est ça qui est comme la difficulté, dans le fond. En tout cas, fait que, petite poule, votre cellulaire, n'importe quoi. C'est juste parce que j'avais la petite poule, puis j'étais comme, j'ai mis ça, puis j'étais comme, let's go, cours comme deux poules, pas de tête. Puis là, je suis comme, André, quand on fait un blitz, il faut qu'on va vite, là, puis qu'on fait, on fait ça efficace. En tout cas, c'était gommé. Mais ça a bien été. Puis, c'est ça. Je vais manger mon biscuit. Je suis en train de travailler. Je fais des petites commandes. Puis, c'est bien le fun, mais là, j'avais faim. Je suis montée en haut. André travaille. Ce matin, je sais pas où est-ce qu'il était, là, mais il faisait pas vraiment beau. Je pense qu'il était comme plus alentour un matin. Puis là, là la cour est déblayée. Puis, tu sais, là, c'était il mouille. Puis, je pense que le chemin est peut-être mieux, là. J'ai aucune idée. En tout cas, je sais que là, il est plus ici. Puis, son employé est ici. Donc, c'est ça. Bon, ben là, 2h10, j'entends plus mes affaires printer en bas, fait que je pense que je vais y aller. Continuer à travailler, puis c'est vrai, une autre chose que j'ai commencé à faire là, depuis un matin, c'est de mettre un humidificateur, parce que hey, c'est rendu que 5 semaines là, c'était sec. Là. Fait que si jamais vous avez des humidificateurs, c'est le temps là, de mettre ça dessus, parce que ouf! On dirait qu'on file tout le temps comme si on est bouché ou qu'on a le nez sec, les lèvres secs, hein, la peau sec. Regardez votre humidité dans la maison. Fait que c'est ça, je l'ai mis un dans la chambre, je l'ai mis un dans la cuisine, je suis comme en way wide open. Fait que là, je l'avais débranché parce que ça faisait du bruit. Je vais aller le brancher de nouveau pour le porte-bedou. Mon rideau a pété hier soir, pareil. Check ma petite plante que j'ai achetée la semaine passée. Elle est sec, là! Oh non! Une Monstera Swiss cheese. Donc là, ça j'ai fait. Hein. J'ai tout mis mes plantes là. Pas essayer de plus m'en occuper. Checker ça. Je vais les arroser parce que là. Elle, je pense qu'elle aime vraiment pas ça ici. Par exemple, je vais changer de place. Elle, on dirait que j'ai de la misère à y trouver une place qu'elle aime. Je ferai un petit peu de recherche dessus. Ça fait 3 jours que je dose du sofa, là. J'aime encore mon chum. Mais Jésus-Christ, ça dort bien un sofa. Tu es encore comme. Je te dis, je m'ai couché, je dormais. C'est mental. Puis, vous voyez mon reflet? Je suis en pyjama. Souvent en pyjama pour travailler. Ben, la plupart du temps, je mets des leggings. Mais, des fois, je fais plus loose ou je reste en pyjama. M'habiller comme genre plus tard, mais là c'est parce que c'est snow day, ça. On a trop. Oh, la cou est pas belle. Dégueulasse. Ah,
Il y a ça aussi que j'ai fait. J'avais ça dans la salle de bain. Là, je l'ai mis là. Je l'ai mis ça dedans. Mais ça va pas là, là. C'est vraiment juste comme en attendant que j'avais comme fait. J'avais ramassé les petits bébés, mis dans la cour. Puis j'avais donné un bain, je l'ai mis là, un pouvoir. J'en ai un autre site, là. Ça là, il est bill. Mais je l'ai rempoté, puis on dirait qu'elle aimerait avoir un pot plus haut. Fait que c'est ça. Si jamais je trouve un pot plus haut, j'y mettrai un pot plus haut. Celle-là, elle va dans mon macramé dans l'entrée. Mais je déteste la remettre là-dedans, c'est long. Ah, pis c'est ça. Là, j'ai juste humidifié avec ça, là, qui était comme genre le patent de grippe à André qui était jeune. Ça me prendrait un bon humidificateur dans la maison. Mais pour vrai, je pensais que ça allait pas si pire que ça, vu qu'on n'a pas chauffé. Vu qu'on n'a pas chauffé au poêle à bois cette année encore, je pensais comme que ça serait pas si pire que ça. Je pensais pas que ça serait aussi sec, mais c'est sec pareil. Je vais me laver les mains. Je déteste toucher les plantes. Pourtant, de haut, je leur dis, mais putain, mais noir, ok. Pas noir, mais comme brune. Brune de terre. Mais, c'est ça. Moi, je déteste. Là, je suis rendue là, là. Je vais finir par m'en aller dans le garage. Je plug back cette machine parce qu'elle pitch beaucoup d'eau. Cool, hein? Ça, c'est un type de soudage. Soude à la rode, je pense. Tu mets ta rode dedans. Ouais, il me semble que c'est ça. En tout cas, entre Youssef et Noël, il n'a pas encore sorti. Hier, j'ai vu ça, j'étais comme, hey, sauve ça, on met ça dans le garage. Dans la salle de bain, hein? Je trouve que les lights sont jaunes comparés au reste de la maison. Ça me tasse les nerfs, va former ça. Je vais avoir la misère à pas claquer le restant des biscuits, là. Tourmenté. C'est trop bon. C'est trop bon. Ma tasse mercredi. Ça, ça fait longtemps que je ne me suis pas promenée avec ma caméra en filmant. Des fois, la maison, elle s'en mire. Je suis comme, non, vous ne pouvez pas voir ça. Mais là, regarde, c'est pas spi, c'est pas spi. Ça, c'est cute, hein? C'était comme une idée peut-être comme ça là, que j'aimerais faire dans ma salle à dîner puis donner un petit peu de vie. Là, c'est que je m'en vais en bas. Puis en bas, j'ai fait des valentins hier, comme pour vendre. Des gros valentins avec des petits crétis dedans. Et ma chope a l'air genre d'une merde. Attends, je vous montre ça. C'est comme ça partout. Fait qu'il faudrait que je passe la balayeuse. Dans le fond. J'aime pas le temps vraiment. Fait que je vais travailler un petit peu, puis je ferai ça le temps. Parlons de ma chope. Il y a beaucoup de monde qui se demande, genre, qu'est-ce que je fais. Comme là, c'est parce que je vais pas faire montrer ma machine à cause, comme, tu sais, que je dis tout le temps, c'est parce qu'il y a du monde qui compétitionne contre moi, genre, pis que là, ils ont pas besoin de faire de recherche, genre. Tu sais, j'avais fait des stories, moi, pis tu sais, j'étais comme, ah, pis là, tu sais, il y avait des filles qui m'avaient dit, tu devrais pas faire montrer ton stuff, bla bla bla, parce que le monde va savoir comme quoi tu uses pis ça faire de même, là, tu sais. Puis j'étais comme, ah, ouais, c'est vrai, hein. Moi, j'avais comme pas pensé à ça, tu sais. Moi, je me disais, crime, je vais faire plein de stories de toutes sortes d'affaires que je fais, tu sais. Ça va être cool, tu sais. Puis ça va me faire comme de la visibilité, comme, tu sais. Elle avait comme, fais pas ça. Puis j'étais comme, ok. Mais, tu sais, maintenant, tout le monde le sait, là, j'ai une cricket, là. Tu sais, pis même au début, d'après moi, tout le monde savait. Mais là, c'est que j'ai des nouvelles machines. Puis, tu sais, c'est certain qu'en faisant des recherches, tout le monde peut trouver. C'est ça. C'est juste que c'est comme un petit peu donner un petit peu comme un plateau d'argent de dire c'est quoi. Ou de les montrer. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de survivre avec ma petite business, tu sais. Puis, tu sais, moi, je fais juste ça. Ça fait, c'est vraiment comme ma paye, là, tu sais, comme. Faut que je travaille, tu sais. Faire une vidéo comme de mon travail, c'est comme vraiment pas comme quelque chose que
C'est comme de quoi que j'aimerais vraiment faire, mais qu'on dirait que j'ose pas. So, je me dis, ben, je pourrais genre faire montrer mes commandes à mesure que je les fais sur une vidéo, genre faire montrer comme la finale de toutes mes commandes que j'ai faites dans la journée, mettons. Ou comme quand ce que j'emballe. Mais. Regardez. Je suis en train de faire ce chandail-là. Fait que là, il est prêt. Je vais aller le coller sur le chandail. J'ai laissé la machine chauffer. Puis, je voulais vous faire montrer. Regardez, j'ai fait ça hier. Ils sont trop belles. Puis, je sais, le shipping est tellement cher. C'est étonnant. Mais, c'est ça. Ceux-là sont vraiment le fun. Ils peuvent aller au lave-vaisselle, micro-ondes, tout. C'est pas un collant, c'est cuit dedans. J'ai fait quelque chose, je vais cacher la photo parce que je vais pas faire montrer les personnes, mais j'ai fait des petites choses comme ça. J'ai caché pour pas que vous voyez la photo. Là. Donc ça, c'est vraiment cute. Je voulais faire des signets et des Valentins cette année. Donc ça, c'est la partie Valentin. Donc il y en a toutes sortes. J'en ai fait... à peu près 150 hier. Donc, tu plies ça. Tu mets deux petits crayons de cire dedans. C'est cute! En tout cas, les parents aiment bien ça. Quand ce que j'en fais, ça fait que j'ai fait une batch. Mais ça fait du mess, comme je l'ai montré tantôt. Puis, c'est ça. Après ça, je vais essayer de faire des petits designs de signets. À colorier aussi pour la Saint-Valentin, puis après ça, ça va être fini. Peut-être qu'à un moment donné, dans la 17 à février, ça me tentera de faire un autre batch, là, mais en tout cas, tu sais, il y en a toutes sortes, là, comme là, j'ai des tracteurs, j'ai des hiboux, j'ai des licornes, il y a des titiens. Fait que là, en attendant que ça chauffe, je continue mes commandes. Je vais vous faire montrer comment est-ce que je fonctionne pour mes fait commandes. Que, first thing first, ben, je parle avec vous autres sur Facebook ou sur Instagram. Je reçois les commandes, puis là, tu sais, je prends les e-transfers. Ensuite, j'écris tout, juste rapidement. J'écris pas comme tous les détails, dans juste un cahier comme ça. Tout simplement. Puis, dans ce cartable ici, ben, c'est comme, j'écris comme tout ce que j'ai vendu. Comme là, c'est comme genre mon propre, mettons. Mais je sais que je pourrais comme juste le faire une fois. Mais ça, je m'adapte tranquillement. C'est que souvent, tu sais, je parle à quelqu'un puis je fais juste comme... J'écris rien que ça vite. Des fois, je crains que le nom. C'est juste de me faire rappeler d'aller dans MSN. Dans Messenger, chercher pour sa commande. T'sais. Puis qu'est-ce que je fais à ma commande, mais je regarde vraiment comme qu'est-ce que vous m'avez écrit. Là, t'sais. Et non. Mon petit brouillon. Le soir, avant de sortir de ma shop, j'aime faire ceci. Donc, je remplis mes bacs. OK? Toute ma table est pleine de paniers comme ça. Ça, c'est ma table de travail qui est à côté. J'ai comme tassé les choses. Fait que là, tu sais, j'ai regardé sur ma liste où est-ce que je t'ai rendu. Puis là, il fallait que je faisais un binder. Un budget binder. Fait que j'ai tout mis les enveloppes qu'elle avait besoin, qu'elle a achetées. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a fait une commande de tout ça. T'sais, c'est tout comme une personne. T'sais. Une personne, une personne, une personne. Là, ici, c'est deux personnes, par exemple. Mais c'est ça. Puis, une personne ici. Fait que ça, c'est comme mes prochaines commandes qui vont sortir. Bon, comme sur ce côté-là, là. Je vais pas vous faire montrer parce que, tu sais, comme là, il y a les marques de vinyle, puis tu sais, comme, en tout cas. Mais, genre, toutes mes vinyles sont toutes là, puis tout mon stuff à chandail, tout de ce côté-là. Ensuite, dans le côté à ma droite, ben là, c'est comme mon côté papeterie. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de la papeterie, mais je vais en sortir dans pas longtemps. Des collants, de la papeterie, en tout cas. Puis c'est aussi mon côté... où est-ce qu'il est comme mon moulin, puis pour faire de la broderie, puis qui est tout comme la laine, les fils, tout ça. Fait que, souvenez, là, longtemps passé, c'était le bureau à André qui était là. Même s'il sera plus ramassé, peut-être que je vous ferai
montrer un petit peu, mais là, c'est une explosion. Donc, c'est ça. Mes imprimantes sont là. Puis, c'est ça, les imprimantes, mais c'est la même chose. Je ne veux pas les montrer pour montrer qu'est-ce qu'il y a. Les imprimantes que j'ai. Ensuite, ben, de ce côté-là, ben, c'est tout. C'est tout des presses, des machines à graver, des. En tout cas. Toutes des choses comme ça. Et là, ce qui est mots, là, en dessous de mots, c'est là où est-ce que mon centre d'emballage. C'est toutes des tables jusqu'au bout. Après ça, il y a une rangée jusqu'au bout dans le milieu. Puis une rangée de tables toutes. Là. Ça fait il y a trois rangées de tables dans le fond. Dans mon centre d'emballage, ben, je pourrais vous faire montrer, mais c'est comme je vous dis, là, comme vu que j'ai fait un gros dégât hier, genre, tout est en mers, puis elle est comme pas vraiment organisée, mais c'est ça, tu sais, j'ai comme beaucoup, beaucoup de rangements en cubes. Attends, je vais faire cubes comme ça, là, avec des bacs comme ça, j'ai comme peut-être comme 40 bacs avec toutes sortes d'affaires, puis ils sont presque tous identifiés, là. Mais il y en a qui sont encore écrits. En dessous des tables, ben j'ai aussi des petits blocs comme ça partout. Genre dans mes blocs, genre il y a un bloc, c'est mes gros sacs bruns, mes petits sacs bruns, mes sacs d'emballage de shipping, mes petits sacs d'emballage de shipping, du papier pour emballer, comme protéger les tasses. Après ça, j'ai du papier de soie pour dans les sacs, ça fait cute. Tu sais, ça fait en tout, chacun leur utilité. Puis là, c'est ça, quand ce que ma mère va avoir le temps, ben, on a un gros tri à faire parce que dans les bacs qui sont là aussi, tu sais, c'est ça. C'est ça ma vie, c'est ma passion. Fait en tout cas, si jamais vous avez envie de m'encourager, je vais vous mettre mes pages dans la description. Création mode design sur Facebook, sur Instagram, puis aussi sur Etsy et prochainement sur Shopify. Donc, en tout cas, vous comprenez, là, je ne sais pas si je vais faire le switch, je vais avoir les deux ouverts. Ou, en tout cas, je suis en train d'explorer. C'est ça, à part de ça, mes autres tâches, mais c'est ça, ça j'adore emballer. Je vais vous faire montrer qu'est-ce que j'ai fait. C'est ça, tout est pensé, mais tout coûte de l'argent. Ça fait que juste mettre un petit sticker comme ça, ça enlève sur mon profit. Je mets ça sur un sac. Rien qu'un sac, donner un sac, ça coûte de l'argent. Tout coûte de l'argent. Des fois, c'est sûr, comme il y a des choses, on dirait que je suis comme, ah, ça, je l'emballerai pas, ça vaut pas la peine. Mais c'est ça, sur les sécures, regardez. Fait que ici, j'ai mis tout ce qui pressait pas. Fait que. Pressait pas, mais qui était comme genre supposé d'être next dans mes commandes. Ensuite, il y avait celle-là aussi que, en tout cas, j'avais comme pas pensé. Ensuite, celle-là a eu sa couche de peinture qui lui manquait. Puis, il manque à faire un budget binder que je vais peut-être faire ce soir ou demain matin. Parce que là, j'ai comme pogné mal à la tête. Donc, tous les autres sont en dessous. C'est comme ça que je fais. D'habitude, je les mets tout en dessous quand j'ai fini, mais j'ai fini ma journée. Ensuite, j'ai aussi fait des cadres en acrylique là, avec les photos puis les chansons. Fait que c'est ça. Ça vient avec ces petits blocs-là. Mais je ne vous les ferai pas montrer là, parce que les photos sont dessus, mais c'est vraiment beau. Puis je vais vous faire montrer les choses. Aujourd'hui, ça a été comme semi-productif parce que, un, j'ai vlogué, deux, je m'ai levé vraiment tard. C'était une tempête et c'est ça, j'avais envie d'en profiter un petit peu. Fait que j'ai plus comme travaillé comme en après-midi. Ma maman aussi est venue tantôt, là, elle vient juste de partir, puis elle a comme tout nettoyé, le gros mess de picot blanc par terre, là. Tout est gone. La seule chose qui n'a pas été vraiment comme cleanée, c'est mon centre d'emballage qui est comme juste à côté de moi. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Puis là, j'ai mal à la tête, mais peut-être qu'après le souper, si je reviens, j'en parlerai. Sinon, ça ira avec mes tâches de demain. Donc, petit sweatshirt papa de trois merveilles. Un ballon comme ça, Jacob. Un toutou aussi, Jacob. Le fameux chandail, je te kickerai dans la gorge, mais je suis trop petite. Hein, je suis pas fâchée, je suis ménopausée. J'adore cette couleur. C'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Je pensais que j'aurais eu le temps de faire mes cadres, puis le budget binder, mais en tout cas, c'est que j'ai comme mal à la tête. Puis là, ben, vu que ma mère était ici, j'ai comme cleané un petit peu, fait que ça m'a fait comme perdre un petit peu de temps, mais c'est pas grave parce que de toute façon,
J'ai fermé aujourd'hui mon bac de ramassage parce que je voulais pas que les gens drive dans la neige. Ça sera juste du ramassage demain. Puis ça va être probablement prêt demain, j'imagine. Il est réapparu. Là, fait que tant qu'à être là, puis parce que ça se peut que je travaille ce soir, là, tu sais, je sais pas, on verra. Mais j'ai une petite commande ici à faire. Donc, cette chose-là. Et cette tasse-là. Donc, l'autre chose que je vais faire prochainement. Fait que c'est ça, moi, normalement, tu sais, je vais tout vider mes bacs. Puis là, je vais les remplir. Mais c'est ça, tu sais, des fois, je suis comme, ah, ben là, j'ai des sweatshirts à faire, fait que je vais tout faire mes sweatshirts en même temps, tu sais. Chose de même, là, ça varie vraiment. Là, mes Valentins, il faudra que je mette ça à vendre, mais j'ai mal à la tête, ça fait que je pense que je vais attendre probablement à demain ou à samedi ou à dimanche. De toute façon, les parents, sur la semaine, ils sont occupés, demain, ils sont probablement occupés, fait que, tu sais, c'est vraiment en fin de semaine qu'ils seront capables de venir les chercher. La machine a été fermée! Il y a aussi plein de chandails qu'il faudrait que je fasse un beau ménage dans les verres. Rendu le lendemain, je suis en train d'emballer mes petites choses. Oups, il y a encore le petit crochet. Puis, je vais mettre une petite carte dedans. Puis, un petit peu d'emballage parce que celui-là, je peux pas juste l'agrafer. Des fois, je les agrafe juste. Des fois, vu que ça se ferme pas, ben, je mets du papier. J'ai mes petits collants de hier. Fait que je colle un petit collant sur le sac, comme ça. Ensuite, je prends juste un petit carton, comme ça. Puis, je vais écrire le nom de la personne. Je vais écrire « Merci pour ta commande » avec son nom. Mais là, quand j'ai des petites cartes, je mets une petite carte en dedans. C'est tout déjà écrit le message, mais là, j'en ai plus. C'est ça, j'écris juste merci Annick, merci André, merci whatever, la personne qui, qui a fait la commande. C'est ça. Puis je me dis qu'en faisant ça, ben tu sais, les sacs sont pas scrap, après ça, ils peuvent les réutiliser pour autre chose, tu sais, le collant s'enlève. Parce qu'avant, j'écrivais directement sur le sac, puis là, j'étais comme, ah, c'est comme, tu sais, c'est moins. Utile, tu sais, eux autres, après ça, ils peuvent utiliser le sac pour donner un cadeau à quelqu'un d'autre. Fait que j'essaie de comme moins scraper le sac possible. Je sais pas en tout. Mais, c'est ça. Donc voilà, je l'attache quand même. Je mets ça là. Je vais toutes les faire, puis ensuite, je vais les monter dans mon bac de ramassage. Je suis en train de faire un chandail, j'ai mis une petite notice dedans. Pour dire que combien comment laver le chandail. Puis on base ça tout simplement comme ça quand c'est ramassage. Dans un sac, même chose. Est-ce que je peux le fitter dans un sac? Ensuite, ça dit que ça me coûte un peu moins cher, mais ça me coûte quand même. Le sac, là, donc, voilà. Puis là, est-ce que je peux ne pas mettre un papier dessus? Ben, je l'épingle avec le papier. Comme ça. Puis, j'écris, c'est parti. Donc, un deuxième de ça avec la pile. Fait que là, j'ai scellé les deux chandails. Je les envoie dans la boîte pour fitter les deux. Voilà. Puis, je vais envoyer ça à la poste. Fait que je les ai toutes tournées pas haut pour que vous voyez les noms, mais... Je vais à la poste, voilà, à la poste après-midi. J'ai juste une petite dernière chose que je dois faire avant de pouvoir envoyer les trois sacs. Je vais les mettre tout de suite dans la boîte de ramassage. J'ai envoyé un texte aux personnes pour leur dire que leur petite commande est prête. Puis ensuite, je continue dans mes bacs. Pareil comme hier. Et ça continue. Voilà, c'est ça ma vie. C'est ça que je fais
à l'infini, tout le temps. Il faut toujours que je suis en mode création. Il faut toujours que j'ai envie de faire du craft, tu sais. Fait que c'est pas toujours facile. Pas toujours, je suis pas toujours motivée. Mais j'adore ça, c'est le fun. Ça fait mon bonheur. Je suis tellement reconnaissante, comme que je disais dans l'autre vlog. En tout cas, je peux pas trop parler de ça parce que après ça, je viens les larmes aux yeux. Mais genre, ça m'émeut tellement. En tout cas, je suis chanceuse. C'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Comme vous voyez, souvent, je travaille jusqu'à 2h du matin. Hein, genre de 8h le matin à 2h du matin. Je n'ai pas de vie, mais je me sens quand même chanceuse de vivre ça pour le temps que ça dure, en tout cas. Je pense que mes lunettes sont sales. C'est parce que j'étais dehors, mais en tout cas. Je voulais juste vous dire un gros merci. J'espère que vous avez aimé ça, me suivre dans une journée dans ma vie de travail sans que je vous montre trop de choses. Mais c'est ça que je suis à l'aise de vous montrer pour l'instant. C'est ça. C'est un peu les dessous d'une petite entrepreneur. Donc, bonne journée, à la prochaine. Puis si jamais tu veux plus de contenu, ben abonne-toi. Mets un petit pouce parce que c'était beaucoup de travail. Faire tout ça en travaillant, puis ça me ferait vraiment plaisir si tu mettrais un petit pouce, puis si jamais t'as envie de jaser dans les commentaires, ben, ça me fait toujours plaisir, puis je vous réponds toujours, parce que j'aime ça jaser avec vous autres. Donc à la prochaine!